Allez hop, on est reparti, et donc on vient de rentrer du Nether. Fais voir du coup. Je vais tout de suite me refaire un petit bloc de glow. Bon, c'est pas grave, hein. On refera le panneau. Ah, ça a de la gueule. Toi, tu dégages. Hop, le petit panneau vient à peu près ce que j'avais mis ici. On repose. Binge premier. Que ça et moire. Demeure. Point. Voilà. Ça, c'est fait, c'est clean, ça éclaire le milieu. Il fait nuit là, ouais. Ça a de la gueule. Ok, alors faisons le point. Toc, j'ai récupéré 3 blaze rods. J'ai un petit peu de nether brick, donc il faudra que je retourne dans le nether là rapidement. J'ai déjà récupéré 11 orbes. Je pensais que ce serait plus compliqué que ça. Et en fin de compte, ça se passe vraiment bien. Donc je vais y retourner. Comme on me l'a suggéré, je vais protéger pardon, ma plantation de Nether Warts parce que ce serait ballot de tout perdre. Enfin, j'en garderai peut-être un petit peu à la maison. Je ne vais pas tout cramer dans des potions. Faudrait que je retourne chercher de la Nether Brick, des barrières du Nether et tout ça pour faire la déco devant, là. J'ai trouvé des blaze rods, c'est bien, on va pouvoir commencer de faire des potions anti-feu. Franchement, ça se présente bien cette histoire. Par que je me fais. Ah, ça, j'y arriverai jamais, tu sais. Je crois qu'ils vont modifier le nombre de tics des boutons, ce serait pas un mal pour que j'arrête de me prendre des portes dans la tronche. Donc, hop, bon, on va piquer un roupillon tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai rien prévu. Je vais enchaîner directement. Donc, on avait dit qu'on allait faire un truc ici. Un truc là, un ici et un là. Et de 4. Voilà. Ils sont vraiment tout cons ces trucs là qui. Je sais pas pourquoi il remonte pas quand on met de la glow. Bref. Donc du coup, je peux virer ça. 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 Et ça. Ah ouais, ça pète. Il n'y a pas à tortiller, ça pète. Donc on avait dit qu'on allait faire à peu près la même chose ici. Tant pis, je vais faire ça à la pioche, on s'en fiche. Donc on va en mettre un là, un là. De toute façon, je retournerai en prendre de l'aglo. Je suis content, mon petit nether là, il est plutôt pas mal. D'habitude, je tombe toujours sur des nethers pourris. Où je suis perché tout en haut, où il y a des lacs de lave de partout. Bon, là, il est bien. Ouais, c'est bien ça. Du coup, on devrait pouvoir. Peut-être pas tout enlever non plus, mais. On aurait pouvoir en virer pas mal. Et je crois que je vais en remettre deux là. Ça va bien m'éclairer. Ce rythme-là, je vais tout bouffer. Hein.
Toc, toc, toc. Donc toi, on est là et là. Ah, j'ai vu un truc aussi en tournant. Enfin, pas en tournant, non, en montant le dernier épisode. Je me suis dit que j'avais fini la moquette, mais en fait, j'ai oublié un cube là. Donc, on va remédier à ça tout de suite. Hop, tac et tac. Ça, c'est fait. Alors, toi, tu dégages. Ça, c'est précieux. Alors, les blocs du Nether. Je vais archiver ça. Soul Sand. Nether Brick. J'ai laissé un peu traîner mon bazar. Je ferai du rangement en off. Hein. Nether Rack, voilà, je crois que c'est tout. J'ai vu une autre bêtise aussi en montant le dernier épisode. C'était classe. J'espère juste que ça popera pas là-dedans. Ouais, là, j'ai un petit peu moins de lumière à cause du coffre. Tant pis, on va coller une là. Bon, je ferai le détail plus tard. Sable. Alors, il m'a fait un peu de verre. Hop là. Est-ce qu'il me reste du vrai sable? Ouais. Faire cuire un peu. On va se fabriquer des bouteilles en verre et commencer de se faire un petit peu de la potion qui va bien. Voilà. Donc ça, c'est parti. Ok. Et ouais, je ferai du rangement off parce que là c'est déjà Hiroshima dans tous les coffres. Sans rien, si je peux y jeter, allez hop. Tac, tac. D'accord, je la récupère, il n'y a pas de souci. Est-ce que... Oui, j'ai eu la bêtise de faire ça, j'ai enlevé. Est-ce que j'en ai une sur moi? Ouais. Voilà. Je vais te coller où, toi? Alors... On va commencer tout de suite. Oui, si je mets les bouteilles vides, bourricot. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Alors on va commencer par se faire de la potion anti-feu, parce que c'est quand même celle qui a la classe. Donc les machins. Les blaze rods, j'ai ce qu'il faut, la gunpowder, on s'en fout, je vais le mettre par là, voilà. Toi, tu vas aller là en attendant. Bon, je vous demande un petit instant, parce que ça m'énerve là, je ne vais pas encore vous infliger ça. Je fais du rangement dans mon inventaire et je reviens tout de suite. Allez, c'est bon. J'ai pas le grand rangement, hein, mais bon, j'ai préparé un petit peu ce que j'avais besoin.
Donc on va améliorer un peu les potions qu'on a déjà. Touk touk. Là, on va se faire des potions. Donc on avait dit. Alors attends, toc toc toc. Voilà. Donc là, normalement, si je mets ça, ça doit me faire des potions de protection au feu. Pour l'instant, elle pique un petit roupillon. Ch'touk. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là, bon, on se fait quelques potions pour le plaisir. On va rapidement retourner dans le Nether, histoire de finir de protéger ce Netherwart, d'aller collecter un petit peu les orbes manquantes. Comme ça, pendant que je serai dans le Nether, le Netherwart poussera un petit peu. Hop, là, pendant ce temps, touc, on va se faire du sucre, on va se faire des potions de vitesse. Et puis on va essayer d'améliorer nos autres potions. Donc qu'est-ce qu'on a ? Fire Resistance, ok. Donc on va rajouter un bazar. Ouais, 8, j'en ai déjà. Et ça va me faire une demi-heure de résistance au feu. Je pense que avec ça, il y a déjà de quoi faire le mariole. Hein. Maintenant, on est clairement bien stuffé. Quoi. J'ai une potion de force, ça c'est pas mal aussi. Je pense que je me la prendrai pour me faire un des boss Bosscraft. Ok, donc là, là je dis champion du monde. Donc on va essayer de l'améliorer. On va essayer d'améliorer les potions de vitesse aussi. Je pense qu'on peut mélanger. Hein. Apparemment oui. Ça serait bien que je m'en serve. Surveille hein, quand même, pas me faire creeper la tête comme un imbécile. Je fuir ça parce que ça fait dégueulasse. Ça fait un moment que je veux le faire et que je l'ai pas fait. Touk. Évidemment, j'ai pas assez de terre sur moi. Peut-être arriver à la casser cette pelle au bout d'un moment. Voilà. Tac, ça c'est fait. T'as les chiens. Pendant ce temps, ça a dû finir de mijoter. Alors, ouais, 8 minutes de force, 8 minutes de speed. Là, franchement, c'est même pas la peine que je m'en refasse d'autres. Hein. Alors, je vais en garder une sur moi, parce qu'a priori, le Nether, il a pas l'air trop craignos. Ça, pour le Nether, je m'en fous, vu comme ils sont mous, là, les mobs. Donc ça, j'y garde là parce que j'en aurais besoin. Ça, j'y garde là parce que ça, voilà. J'ai de quoi faire des bouteilles. S2, S2, S2. Ça, je vais peut-être pouvoir les prolonger aussi. 22 secondes. Ah ouais, mais si je la prolonge, je perds les... perd l'effet. Enfin, ce sera de la 1 au lieu de la 2, je crois. Ça se discute. Je vais quand même les améliorer. Ça me servira pour... ça me servira pour la nuit dans la ville, je pense.
corps que je te fais comme je suis, je pense que je vais tous les déglinguer, en fait. Alors là, toc. Tiens, fais voir, ça marche le shift-click, là? Non. Bon. Voilà. Et voilà. Pendant que c'est cuit. Putain, ça a la classe, ça, quand même. Je veux pas dire, mais... Et puis, oh, je peux bien me jeter des fleurs tout seul. Hein, oh. D'abord. C'est moi qui ai fait des heures en off à bricoler ce truc. Un peu sombre, là, quand même. Hein. J'aime pas ça, mais bon. Donc, ça, on va dire qu'on va y garder là. Ça, donc, il va falloir que... Hop, ça, on va y garder là aussi. Hop, le sable, bon, bah, je crois que c'est tout bon. La hache, j'aime tant dire que je m'en fiche. Ah oui, j'ai fait encore une couillonnade la dernière fois, j'ai creusé du gravier pour me refaire du flint alors que il m'en restait là, j'avais oublié. Du coup, on va recharger un peu. En plus, j'ai encore un stack de gravier. Voilà. Hop, on va reposer ce qui me reste là. Voilà. Du coup, ça me fait une place pour ça. Voilà. Heureusement que j'ai fait une pause pour faire du rangement. Hein. Ok, on est paré. 49 flèches. Ça ira, hein, parce que les gaz, il n'y en a pas tant que ça. Je peux toujours essayer de les esquiver un peu. La bonne nouvelle aussi, c'est que ma foi, en rentrant, eh ben, voilà, c'est devenu de la régénération normale, mais 2 minutes. Ouais, en rentrant ben, du Nether, on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'embrouille de portail avec ceux qui sont dans la ville, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, au pire, je sortais par un portail de la ville, je le détruisais, et puis je me débrouillais à rentrer en courant. Ok, donc, hop, j'ai ma super épée qui va bien, j'ai mon arc qui va bien, j'ai les flèches, j'ai ce qu'il faut. Une pelle, ouais, si je prends de la soul sand éventuellement. Je vais peut-être me prendre une autre pioche quand même. Pas celle-là, non. Parce que comme je vais miner un petit peu de... non, pas celle-là. Fortune, tu rigoles ou quoi? Ouais, bon, on va se faire une pioche toute con. Hein. Est-ce que je vais récupérer de la... De la brique du Nether. Au passage, donc là, je vous ferai sûrement une coupure, hein, parce qu'il ne va sûrement pas se passer grand-chose pendant que je minerai ça. Allez, on est reparti. Donc, j'ai gardé ma potion de feu, j'ai mes pommes. Allez. On va finir d'aller récupérer ces orbes qui nous manquent. Puis je pense que dans un prochain épisode, assez rapidement, on va peut-être essayer de s'attaquer à un bosscraft. Génuflexion. Et on est reparti. Ok, il y en a un là-bas. Oh putain, je voulais faire ça vite, mais c'est vrai que je suis sur la soul scène de la con. Putain. Toi, je t'aime pas. Je sais pas pourquoi je t'aime pas. T'es
mettre sous le scène de la con. Bon, allez, tu sers à rien. Ouais, je vais juste protéger mon bazar. J'aurais presque dû prendre du verre, mais bon. Voilà, comme ça, les plantations seront à l'abri. Et nous, on ne sera pas embêtés. Bon, c'est pas malin, parce que j'ai pas pensé de couper mon chrono pendant la... Pendant la petite coupure que j'ai fait, enfin bon, bref, on va voir. Je vais essayer de vous faire un épisode pas trop long cette fois-ci, parce que c'est vrai que le dernier était quand même. Je vais peut-être faire comme ça maintenant, peut-être que deux épisodes par semaine, un bien long et puis un normal, plutôt que de faire trois. Je sais pas, je vais voir. Vous me direz, parce que j'avais l'impression que trois épisodes de 40 minutes, bon, moi déjà, honnêtement, j'avais un peu du mal à suivre le rythme, il suffisait que j'ai un imprévu et je vous plantais. J'avais l'impression que vous aussi, vous aviez un petit peu de mal à suivre le rythme, puisque je voyais les vues monter, mais avec un décalage dans le temps. Donc, je vais voir, je vais peut-être faire un truc, genre un épisode de mercredi, un épisode de dimanche, quand vous avez un peu de temps. Et puis voilà. Ça pourrait être pas mal. Bon, ben ça c'est fait, c'est bon, c'est vu. Maintenant, on va aller taper. Il faudrait déjà bien me débarrasser de l'autre crétin, là, si des fois il était encore par là. Cette fois, on va aller par là-bas, tiens. Ah ouais, c'est quand même casse-gueule là, pas faire l'imbécile. Il y a des paquets de glow là-bas, je pense que si, il y a moyen. On va pas se gêner. Ok, donc là-bas on voit. On voit des imbéciles, on va aller les taper. Parce que là, pour le coup, ils me font plus peur. En même temps, c'est vrai que j'ai une épée qui dérouille bien, donc... Ça, ils servent juste à rien, quoi. Hop. Là, on va prendre la terre, parce que c'est plus vite à casser. Merde, j'ai pris le... avec moi. Bon. C'est pas ce que j'ai fait de plus intelligent, mais... Pardon. Toujours un chat dans la gorge. Ça va mieux, mais c'est pas encore... J'ai pas retrouvé ma voix de jeune homme encore. Donc... Ça, clairement, j'y ramasse parce que c'est juste la classe, quoi, la glowstone. Mais j'adore éclairer à la glowstone, quoi. C'est...
c'est possible que je fasse des petites modifications encore dans mon habitat, histoire d'intégrer ça. Par contre, je vais peut-être pas complètement déglinguer ma pioche là-dessus. Allez, je finis de casser ce qui est accessible là. Là, c'est dommage. Allez, c'est bon, une bonne petite moisson. Ok, alors des orbes. Quand même que je pense à marquer mon chemin comme le petit pousset, hein, parce que... Bon, vous êtes où les gars? D'accord, là-bas au fond il y a la vache. Ah, il est chouette ce nether, sans rire. T'es loin, toi, je vais jamais t'avoir. Laisse tomber, je gâche mes flèches. Il faudrait pas trop se faire bombarder parce que... Un petit peu casse-goule quand même, le coin. Ah, toi par contre... Vous pouvez m'avoir lâché une larme, ce serait sympa. Allez, viens par là, toi. T'as les mecs, ils ont même pas réussi à me coller un dégât, quoi. Et je vais faire le tour. Parce que... Si je peux éviter de traîner sur la Soul Sand, c'est pas plus mal. Alors, sont où les bouboules? Eh ouais, il m'a lâché une larme. Ça c'est cool. Ah ben voilà, ils sont venus tous là, les petits copains. Ouais, dégage toi. Allez, viens là. Ah ouais, t'es colère là, hein. Ouais, t'es colère. Bon, par contre, je vais pas m'amuser à tous vous buter. Si vous me filez pas des orbes, des orbes, j'en avais 11, j'en ai 2. Ouais, il manque encore le compte là. Hein. Moi je les tape avec un petit pain, ça va pas mieux ma tête. Ok. 6 orbes. 17, il m'en manque 3. J'essaierai d'en faire un petit peu plus. Bon, ben on va aller du côté de la forteresse, on va bien creuser du monde en route. Tiens, il y en a un là-bas. C'est devenu en bande, les gars. C'est sympa tout plein, ça. Je vais juste m'écarter de Piggy, là, parce que... Vous êtes minables, les mecs. J'espère que votre patron sera un peu plus fun, parce que vous... Parce que vous, c'est pas la joie. 12, c'est bon, j'ai le compte. On va retourner à la forteresse vite fait. Je vais ramasser un peu de briques.
histoire de finir ma façade. Donc ça, la façade, je pense je la finirai en off, hein, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de raison que ce soit très intéressant. Hop. Eh ben ma foi, tiens, le coin de couloir qui sert à rien là. Je vais tout déglinguer. Youhou, c'est le grand plonge. Waouh. Donc bah, je déglingue tout ça et puis on se retrouve au retour. A tout de suite. Allez, on a bien récolté. Oui, j'ai tout déglingué les murs là. Donc j'ai presque trois stacks de briques, un stack de barrières. Ça devrait pas mal faire l'affaire. Je sais pas trop. Pardon. Je sais pas trop la quantité que j'aurais besoin, mais bon, je pense que dans un premier temps. Ça devrait aller pas mal. Hop, on va remonter par là. Hop, là pareil, j'ai un peu cassé. Et donc du coup, eh ben, on va se rentrer. Qu'on croise encore un ou deux ahuris sur la route, ça serait pas mal. Ça nous ferait quelques orbes d'avance. Et ben voilà, suffit de demander. Allez copains, venez par là les gars. Allez, voilà. J'ai pas rêvé, il y en avait bien trois. Touk. Bon, bah ma foi. On va aller voir. Les avoir, où elle en est. Je sais pas si j'étais trop loin pour qu'elle pousse. Non, là, ben pousse un peu. Ah oui. Faut être collé pour qui, hein. Ah, pas bien votre tête, les gars. Alors, ça a l'air mûr. Yes. Yes. Ça, c'est à moitié mûr, je pense. Ouais, donc ça me donne rien de bien intéressant. Ouais, ça m'en donne une. Ok. Tac. Et donc j'en ai gagné 5. 4. Ouais. Ça ira pour cette fois. Je viendrai peut-être un peu camper en off par ici à l'occasion. Je voulais jeter un œil en bas aussi, là, partir. J'aime bien... Bon, bah, y a rien du tout. D'accord, on retombe là. Ok, pas intéressant du tout. Touk. Ouais, j'aime bien l'ambiance que le Matmos apporte au Nether. Il est assez classe, je trouve. Allez. On revient dans le vrai monde. Jour. Je sais pas si un jour je vais arriver à passer cette porte. Donc voilà, je ferai de la déco là-devant. Je vais peut-être mettre des glowstones derrière des barrières du Nether, des briques du Nether, et puis des briques, des stone briques normales. Hop.
Touk. On va poser notre précieux matériel. Voilà, comme ça, ça commence à augmenter. Voilà, voilà, voilà. Tac, tac. Bon, je ferai du rangement off. Je pose tout ça comme un goret. Et mes orbes. Ah, attends. 25 Netherrack, c'est bon, ça devrait suffire. Ok. Alors, je me souviens plus du tout comment on fait les parchemins pour... pour invoquer les... Il faut que je décide la Netherward si je le mets. Ouais, c'est pas un bloc. Hop. Je le mets dans le coffre à potions. Voilà. L'arme de Ghast aussi. C'est important. Tiens, toi, je t'ai oublié, dis donc. Toi, tu vas là. L'arme. Toc, 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 toc. Voilà. Je vais pas y retourner tout de suite hein, dans le Nether, de toute façon. Je vais prendre ça. Potion de résistance au feu, j'en ai pas besoin tout de suite. Vu que là, je vais rester dans le monde normal. Ça, les pommes, par contre, je vais les garder. Ok, par contre, potion de force, je vais prendre. C'est débile, on peut les stacker là, mais on peut pas les stacker en bas. Oui, il y a un bug là. Stun damage, c'est bien les mêmes pourtant. Bon, bah tu sais quoi, tu vas rester là, tu vas pas m'emmerder. Je vais garder ça ici. Je vais me prendre une potion de force. Mon power 3, je vais me prendre... potion de régénération. Je vais me faire un lit. Vous vous demandez ce que je suis en train de bricoler là. Hein, moi aussi, je ne sais pas si c'est très raisonnable. Mais après tout, on a assez glandé. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Donc je me fais un lit. Voilà. Et je crois que c'est avec de la stone lisse. Voyons voir. Il me semble qu'il faut faire ça. Flanquer une stone lisse au milieu. Et voilà, donc ça me fait Mountain Scroll. Alors ça, c'est pas celui qui m'intéresse. Puisque Mountain Scroll, c'est pour invoquer le chef des, vous savez, des cubes rebondissants explosifs. Là. Donc c'est pas ça. Avec de la cobble, ça fait rien. Évidemment, j'ai pas une feuille. Ah merde, je me souviens plus avec quoi c'est. Essayer avec ça, ça doit être pour invoquer. Je suppose. Le boss du Nether. Ouais, voilà, Fire Scroll. Toc. Et bon, bah écoutez, je vais faire une petite pause, je vous demande un petit instant, je vais regarder le craft, je me souviens plus, pour les araignées, pour la reine des araignées en fait. Allez, à tout de suite. Ok, alors, normalement, ça doit être avec de l'obsidienne.
Stuck. Donc pareil, je fais. Ah, il va m'en manquer. Oh, c'est pas vrai. On reste pas là des fois. Toujours traîner du bazar partout. Bon, je crafte ce truc et je vous fais voir. Je vous explique comment ça marche. Évidemment, il fait encore nuit. Pouillot. Évidemment, ça n'a pas poussé. Ploum, ploum. Bon, mais je vais vous expliquer avec l'autre. C'est pas grave, mais je voulais faire autrement. Je voulais faire autrement. C'est pas grave, on se fera le fire scroll. Donc, le truc, c'est qu'il faut avoir, pour invoquer un boss, du bosscraft, il faut avoir sur soi donc, le bazar qui sert à invoquer et les orbes, 20 orbes correspondantes. Et si je... Alors, je ne sais plus sur lequel il faut que je clique, si c'est sur le droit ou le gauche. Vous allez voir en dessous du scroll, ici, là, une barre d'usure, comme pour un outil qui va se mettre en... qui va commencer. Voilà. Et ça me mange des orbes. Et quand la barre arrive à zéro, donc normalement au bout de 20 orbes, eh ben le boss est invoqué. Donc, je ne vais pas l'invoquer dans ma cave, hein. Je vais mettre ça de côté. Ce que je vais faire, je vais partir dans la plaine un peu plus loin, là-bas, où c'est dégagé. Je vais me faire une petite baraque avec un lit, si des fois je meurs, histoire de repopper tout de suite à côté. Et ben devinez quoi, au prochain épisode, on va se fighter avec le boss de feu. Donc j'aime autant vous dire qu'il va falloir que je prenne autre chose que c'est... Que ces potions-là, hein. Je vais me prendre de la potion anti-feu, clairement, parce que lui, il doit balancer des boules de feu, je pense. Et donc, avec l'obsidienne et puis le papier, je crois que c'est pour faire la reine des araignées. Donc, bah, du coup, on la fera une autre fois. Voilà, donc, je pose ça. Et ben, ma foi, je vous retrouve dès le prochain épisode. C'est pas bien gentil ce que je vous fais là, hein, mais l'épisode est déjà pas mal long. Je vous retrouve au prochain épisode pour se fighter avec le boss de feu. Voilà, voilà. Portez-vous bien. Ciao les gens.